Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie de la loge parotidienne. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, le siège anatomique et les limites superficielles de cette région, les parois, les rapports, le contenu et on va faire une conclusion. Pour introduire, la loge parotidienne est une région anatomique située au niveau de la partie latérale du cou. Elle représente une région de transition entre le crâne, la face et le cou. Elle contient plusieurs éléments anatomiques importants, notamment la glande salivaire parotidienne, qui fait partie des glandes salivaires principales et qui joue un rôle très important dans la digestion et qui peut être siège de plusieurs pathologies infectieuses, comme la parotidite et l'adénome pléomorphe. Cette loge laisse passage à plusieurs éléments vasculonerveux très importants, comme le nerf facial, l'artère carotide externe, et qui peuvent être atteintes au cours des plaies de cette région anatomique ou en cas d'abord chirurgical, ce qui peut laisser des séquelles fonctionnelles importantes. Concernant le siège anatomique et les limites superficielles, sur le plan topographique, la région parotidienne a la forme d'un quadrilatère à la partie supérieure et latérale du cou. Les repères importants pour repérer cette région sont le meilleur auditif externe, la branche montante de la mandibule, le muscle sternocléidomastoïdien et la mastoïde. Alors, ce quadrilatère est limité en avant par la branche montante mandibulaire, en arrière par la mastoïde et le muscle sternocléidomastoïdien, en haut par le meilleur auditif externe et le processus zygomatique de l'os temporal, en bas est limité par la ligne joignant la mastoïde à l'angle mandibulaire, et en profondeur est limité par l'apophyse styloïde et l'espace latéropharyngien. Les parois de la loge parotidienne. Il faut noter que la loge parotidienne a une forme d'une pyramide quadrangulaire tronquée à ses parois. Alors, il a une paroi externe, interne, antérieure, postérieure, supérieure et une paroi inférieure. Concernant la paroi externe. La paroi externe, elle est limitée par la lame superficielle du fascia cervical, par le muscle masséter en avant et par le muscle sternocléidomastoïdien en arrière. La paroi interne, elle est limitée par le ligament stylo-mandibulaire en arrière et le ligament sphéno-mandibulaire en avant qui délimite l'espace prestylien. Concernant la paroi antérieure, elle est limitée par la branche montante de la mandibule, par le muscle masséter en dehors et par le muscle ptéroïdien en dedans. Pour la paroi postérieure, elle est formée par deux segments, un segment externe et un segment interne. Pour le segment externe, il est formé par la mastoïde et le muscle sternocléidomastoïdien en dehors. Le segment interne, il est formé par le rideau stylien. Le rideau stylien, il est formé par plusieurs éléments anatomiques qu'on va les citer d'arrière en avant. On a le ventre postérieur du muscle dégastrique, on a le muscle styloïdien, on a le ligament styloïdien, on a le ligament stylomandibulaire, le muscle stylopharyngien, le muscle styloglosse. Il faut noter que ces éléments sont rayonnés par le fascia prétrachéal de l'aponévrose cervicale moyenne.
La paroi supérieure, elle est formée aussi de deux segments. Un segment antérieur qui est formé par l'articulation temporomandibulaire et un segment postérieur qui est formé par le conduit auditif externe. La paroi inférieure, elle est formée par deux segments. Un segment interne qui est formé par le triangle préstylien, comme vous voyez à ce niveau-là. Voilà le triangle préstylien. Et un segment externe qui est formé par la bandelette maxillaire fibreuse, comme vous voyez à ce niveau. Maintenant, on va parler des rapports de la région. Cette région parotidienne est en rapport en avant avec l'espace masticateur qui est formé de dedans en dehors par le muscle ptéroïdien, par la branche montante de la mandibule et par le muscle masséter. En arrière, elle est en rapport avec le muscle sternocléidomastoïdien et le ventre postérieur du muscle dégastrique. Il est aussi en rapport avec l'espace rétrostylien en dedans, en arrière et en dedans. En dedans, on a l'espace préstylien, qu'on voyait à ce niveau-là en vert, qui fait communiquer la loge parotidienne avec l'espace latéropharyngien. En dehors, elle est en rapport avec la peau fine qui est entre la mandibule et le mastoïde. En haut, elle est en rapport avec la base du crâne, avec le conduit auditif externe en avant et le trou stylomastoïdien en arrière. En bas, elle est en rapport avec la bandelette maxillaire fibreuse qui sépare la région parotidienne de la région sous-maxillaire. Aussi, on a le triangle préstylien en dedans avec l'artère carotide externe. Maintenant, on va parler du contenu de la loge parotidienne. On va parler de la glande parotide, on va parler du conduit parotidien, du nerf facial, du confluent veineux parotidien, du nerf auriculotemporal, de l'artère carotide externe et des ganglions parotidiens. Alors, on va commencer par la glande parotide. La glande parotide a une forme prismatique de couleur brune chamois, ferme et lobulée, entourée d'une capsule, avec des adhérences au niveau des meias auditives externes, de l'articulation temporomandibulaire et du muscle sternocléidomastoïdien. La glande mesure 8 à 10 cm de hauteur et pèse 25 à 30 grammes. Il faut noter que c'est la plus volumineuse des glandes salivaires principales, qui est une glande exocrine, qui fait la sécrétion de la salive. Elle occupe quasiment toute la loge parotidienne et elle a trois faces, une face antérieure, une face postérieure, une face externe, et deux pôles, un pôle supérieur et un pôle inférieur, un pôle supérieur et un pôle inférieur. La glande parotide, elle est formée par deux lobes, séparés théoriquement par le passage du nerf facial. Il faut noter aussi que la glande parotide, elle présente dans son bord antérieur l'issue du canal de Steno. Elle présente nombreuses expansions dans la loge parotidienne, une expansion antérieure génienne, une expansion postérieure mastoïdienne, supérieure temporale, une expansion inférieure submandibulo-iocarotidienne.
Maintenant, on va parler du canal de sténon ou canal excréteur de la loge parotidienne. Le conduit parotidien excréteur au canal de sténon naît du bord antérieur de la glande parotide. Il prend un trajet horizontal sur la face latérale du muscle massétaire, puis il se réfléchit au bord antérieur du muscle iliocorps adipeux de la joue, perforant le muscle buccinateur. Il s'ouvre dans le vestibule supérieur de la cavité orale en regard du collet de la première ou deuxième molaire supérieure par un ostéum. Maintenant, on va parler d'un élément important, c'est le nerf facial. Le nerf facial, il forme deux segments, un segment rétroparotidien et un segment intraparotidien. Le segment rétroparotidien, il sort du trou stylomastoïdien et entre dans la loge parotidienne à travers le triangle rétro-stylo-hyoïdien. Il va donner un rameau sensitif, c'est le nerf auriculaire interne, qui est responsable de l'innervation sensitive de la peau de la région, appelée zone de Ramsey-Hunt. On a un segment intraparotidien. Il est oblique en avant et en bas et en dehors, clivant la glande en deux lobes pour se terminer en cinq branches. Une branche temporofrontale, une branche zygomatique, une branche buccale, une branche mandibulaire et une branche cervicale. Maintenant, on va parler du confluent veineux parotidien. Le confluent veineux parotidien, il est formé tout simplement par quatre veines afférentes et deux veines efférentes. Pour les veines afférentes, on a la veine occipitale en arrière, la veine temporale superficielle en haut, la veine maxillaire en avant et la veine auriculaire postérieure. Pour les deux veines efférentes, on a la veine rétromandibulaire en bas et en avant et on a la veine jugulaire externe en bas. Pour le nerf auriculotemporal, elle est issue du nerf mandibulaire V3, ça veut dire la branche du nerf trigémon ou le nerf 5. Elle entre dans la partie supérieure de la loge parotidienne et émerge vers le haut en effectuant une boucle et dans l'artère temporale superficielle. Elle est responsable de la sensibilité de la partie antérieure de l'oreille et de la tempe et d'un défilé à l'articulation temporomandibulaire et défilé sécrétoire pour la glande parotide. Il quitte la région parotidienne en accompagnant les vaisseaux temporaux superficiels. Maintenant, on va parler d'un élément important qui est l'artère carotide externe. L'artère carotide externe est une branche de division de l'artère carotide commune. Elle participe à la vascularisation de la face et de la partie supérieure du cou. Elle a un trajet sous et intraglandulaire. Il traverse le diaphragme stylien entre le muscle et le ligament stylomandibulaire, puis il se situe à la face médiale de la glande parotide dans la loge parotidienne. Il se termine sous le col mandibulaire en deux branches, l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire. L'artère carotide externe va donner des branches collatérales au fur et à mesure de son passage qui sont l'artère auriculaire postérieure, l'artère occipitale, l'artère linguale, l'artère
faciale et l'artère thyroïdienne supérieure. Pour les ganglions parotidiens, on a deux groupes principaux dans cette région. On a un groupe profond qui est intraglandulaire et qui draine les fosses nasales, la voile et l'oreille moyenne. On a un groupe superficiel qui est extraglandulaire et il draine la région temporale et faciale. Il faut noter bien que le groupe profond et superficiel se draine vers la chaîne jugulaire interne. Pour conclure, la loge parotidienne est une région anatomique de transition entre le crâne, la face et le cou. C'est une région riche sur le plan anatomique et qui laisse passage à des éléments vasculonerveux très importants, notamment le nerf facial et l'artère carotide externe, et qui peuvent être atteintes au cours des plaies de cette région anatomique ou en cas d'abord chirurgical, ce qui peut laisser des séquelles fonctionnelles importantes. Il faut toujours explorer le nerf facial et l'atteinte du canal de sténon en cas de plaie de la face qui est localisée entre la commissure labiale et l'oreille. La glande parotide, qui est un élément important de cette région, peut être siège de plusieurs pathologies, notamment infectieuses comme la parotidite orléienne et tumorale comme l'adénome pléomorphe.